Si le château La Mission-Aubrion est ce qu'il est, il le doit en grande partie à son terroir. Le terroir est constitué de graves dites guenziennes, charriées par les anciens lits de la Garonne, de sable, d'argile, en proportion plus ou moins importante en fonction des parcelles. L'encépagement de la Mission est constitué pour les rouges de Merlot pour environ 40%, le Cabernet Sauvignon pour 50% et à peu près 10% de Cabernet Franc. En ce qui concerne les blancs, nous avons une proportion importante de Sémillon, 80%, pour 20% de Sauvignon. La proportion de Sémillon à la Mission est très importante et caractéristique de ce cru. Puis vient le temps des vendanges à la Mission. Il s'agit alors de déterminer la date de début des vendanges. Pour ce faire, nous allons pratiquer des analyses, sucre, acidité, polyphénol, tanin. Nous allons aussi sillonner la vigne en goûtant les baies de raisin afin d'essayer d'apprécier cette maturité. Le raisin, c'est la matière première de la viticulture. Si l'on fait du bon vin, c'est d'abord parce que le raisin est bon. Si nous récoltons un raisin de qualité, nous avons toutes les chances d'obtenir un vin de qualité.